Les amis youtubeurs, bonjour. Aujourd'hui, grande nouvelle, ma chaîne principale a passé les 100 000 abonnés. Comme quoi c'est possible. Comme quoi c'est possible quand on est dans un secteur de niche, comme pour moi par exemple la peinture acrylique et l'abstrait, d'arriver à passer les 100 000 abonnés. Je voulais partager ça avec vous aujourd'hui. Je sais que je suis pas très présent sur la chaîne en ce moment, mais vous inquiétez pas, je vais corriger ça. Et voilà, le trophée YouTube des 100 000 abonnés. Regardez-moi ça. Alors bien sûr, c'est un bout de métal, bien sûr, mais c'est symbolique. C'est vraiment symbolique dans le sens où ça matérialise vraiment ce passage du cap des 100 000 abonnés. Et comme je vous disais, c'est possible, les amis, c'est possible. C'est pour ça que j'ai fait cette seconde chaîne, le LabTube, où je vous donne tous mes conseils, où je vous explique un peu les coulisses de ma chaîne YouTube principale. Parce que ma chaîne principale, donc, je suis artiste peintre, je partage des choses sur la peinture. Comme je vous ai dit, c'est très niché et malgré ça, j'ai réussi à créer une communauté de plus de 100 000 personnes depuis 2016. Parce qu'il faut savoir que ma chaîne, j'ai lancé fin 2016 et j'avais mis quelques vidéos avant ça. Je vous ai souvent raconté mon histoire et il ne se passait rien. Du moment où j'ai compris quel contenu pourrait plaire et que j'ai adapté mon contenu, que j'ai répondu à un besoin, que je me suis mis à soigner et à travailler sur tous les petits indicateurs et j'ai fait plein de vidéos là-dessus pour vous l'expliquer. Les miniatures, les titres, la description, le SEO, toutes les petites astuces, les 15 secondes de début, enfin voilà, tout ce que j'ai pu vous expliquer, toutes ces petites astuces qui font que votre communauté va grandir, clairement. Et si vous suivez tous ces conseils-là, ça ne peut que fonctionner, ça a fonctionné pour moi. Et voilà, donc tout ça pour vous dire une fois de plus que c'est possible. Certains ne comprennent pas, souvent je dis, oui j'ai une chaîne qui va mettre 100 000 abonnés, et en fait les gens, il y a ceux, certains ne comprennent même pas, ils se disent, oh, mais tu dis n'importe quoi, t'as 7000 abonnés sur ta chaîne. Donc ils prennent même pas le temps d'écouter. Les gens souvent sont hargneux sur YouTube, veulent tout de suite, sont pressés, sont impatients. Si c'est le cas, oui, YouTube c'est pas pour vous. YouTube c'est pas pour vous. YouTube, il faut avoir quelque chose à raconter, quelque chose à transmettre, le faire avec le cœur et surtout le faire sur le long terme. C'est pas sur un an qu'il va se passer quelque chose, c'est sur des années de travail. Moi si on compte finalement, c'est quoi, 5 ans? En 5 ans de travail. De travail, de plaisir. Bien sûr, ça a été énormément de travail, mais avant tout, ça a été du plaisir. Plusieurs centaines de vidéos, et petit à petit, il y a eu l'effet boule de neige qui fait que aujourd'hui, ma chaîne va faire plus de 100 nouveaux abonnés par jour, alors qu'à l'époque, pour faire mes 100 premiers abonnés, ça m'a pris des mois et des mois. Donc voilà, pensez à ça, projetez-vous, et ne vous victimisez pas. Arrêtez de dire « Oui, YouTube, c'est pas pour moi, j'y arrive pas, je comprends pas. » Arrêtez de vous victimiser de trop attendre des autres. Ça, c'est quelque chose qui me rend fou. Vous êtes l'unique responsable de ce qui se passe sur votre chaîne. L'unique. Si votre chaîne vient à marcher, si vous avez été malin au niveau de votre contenu, que vous avez transmis une vraie valeur, que vous l'avez fait avec le cœur et avec patience. Voilà. Si vous suivez déjà juste ces conseils-là, je suis persuadé que votre chaîne va faire un bond. Et voilà. Si vous faites une énième chaîne sur Fortnite, sur je ne sais quoi, et que vous transmettez rien, que vous filmez en train de jouer sur un écran, par exemple, sans qu'il y ait la moindre transmission, avec beaucoup de redondance, bah, effectivement, il ne va rien se passer. Ne soyez pas dans l'attente des résultats, soyez dans l'attente, justement, d'être efficace dans votre transmission, de transmettre quelque chose que les gens aient envie de cliquer quand ils voient une vignette miniature de vous, une nouvelle vidéo. Il faut qu'ils aient envie de cliquer. Il ne faut pas dire, ouais, je vais faire une miniature putaclic, il faut que je fasse absolument tant de taux de clics, etc. Non. Transmettez le meilleur de vous-même. Si vous êtes content de voir votre vidéo, vous dites, ah ouais, là, ça fonctionne bien, je suis content, il y a de la valeur, il y a quelque chose, je transmets quelque chose, bah alors c'est gagné. Vous verrez que ça va suivre. Mes amis, je ne vous retiens pas plus. J'ai hâte de lire vos commentaires. Dites-moi aussi, là, je vais revenir sur la chaîne en force, bien entendu, sur le LabTube. Je vais avoir un peu plus de temps maintenant. J'étais dans la finition. Et j'en suis encore de l'écriture de mon script. On est en train de. Je suis travaillé avec les maquettistes. Enfin, j'ai eu un retour des maquettistes. Je travaille avec les éditions Erol sur un gros projet. Ça fait un an. Là, ça va être fini. Enfin. Donc, je vais pouvoir vous consacrer plus de temps pour réaliser une nouvelle vidéo. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez comme vidéo. Moi, je vous remercie, mes amis. Encore merci. Et à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.